Merci beaucoup, monsieur Berti. Je m'appelle effectivement Tissou Guerre Nandesi Pascal. Je suis le chef de groupement de Karongo. Ici où nous sommes dans le groupement de Karongo, comme vous le voyez, à côté de la rivière appelée Tihanda. La rivière Tihanda, la fois passée, si nous sommes ici, c'est parce que cette rivière, lors des dernières pluies du 26 avril de cette année, a causé d'énormes dégâts dans le groupement de Karongo. Surtout ici où nous sommes dans le village de Mounia, c'est ça le centre de Nyangezi. Alors, dans l'après-midi du 26 avril, le jeudi passé, une pluie diluvienne s'est abattue sur notre groupement de Karongo et a causé d'énormes dégâts. Nous commençons d'abord par ici, vous allez voir l'état actuel de ce pont. Après les pluies, le pont a été érodé vers le bas et vous voyez que le pont est maintenant perché dans l'air. Pourtant, ce pont, sur ce pont traverse des gros camions en provenance de la Uvira, de Kamanyola et même de la Tanzanie vers Bukavu. Je suppose que dans les jours à venir, ce pont risque de céder comme vous le voyez vous-même. Ce pont va céder si rien n'est fait d'urgence. Parmi d'autres dégâts causés, vous allez voir même là où l'eau passait, un peu partout là, et les maisons sont complètement en danger, d'autres ont été détruites. Nous allons nous déplacer après, vous allez voir les dégâts de l'autre côté du pont. Nous avions compté les maisons endommagées, donc des murs écroulés et même des maisons emportées par les courants d'eau. On a compté jusqu'à 53 maisons. 53 maisons soit démolies ou parties dans les courants de l'eau. Voilà un peu. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de dégâts humains parce que les gens ont eu le temps de déplacer leurs familles, surtout les enfants. Mais tous les biens qui étaient dans ces maisons ont été emportés par l'eau de cette nuit. Nous sommes toujours, comme je le disais, à côté de la rivière Tihanda. C'est ça la rivière Tihanda qui a causé d'énormes dégâts la fois passée. Donc le jeudi passé, comme je le dis, lors d'une pluie intense ici à Nyangezi, cette rivière, avec la profondeur que vous pouvez voir ici, a réussi à déborder et inonder les parties sur les rives. Parmi les dégâts, tels que je l'ai dit, il y avait le pont ici à côté qu'on vient de visiter. Mais aussi, vous pouvez voir derrière moi, si vous voyez ce côté-ci, il y a des maisons démolies par le courant même de l'eau, parce que l'eau a débordé juste à peu près à 20 mètres du rive. Et toutes ces maisons étaient inondées. Heureusement que les gens ont eu le temps d'évacuer les objets. Et d'autres sont partis par le courant d'eau. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Voilà un peu l'exemple de cette maison et tout ce que vous pouvez voir ici à côté. Les maisons qui sont dans cette partie, ce sont des maisons construites en ce qu'on appelle briques en daube, non cuites, qui n'ont pas beaucoup de résistance. Et quand l'eau a inondé, il y a les briques qui sont en bas, qui ont subi beaucoup d'humidité, juste à faire céder toutes les maisons.
Regardez la maison ici. Derrière moi, un peu partout là-bas. Tout ça, c'était détruit par l'eau de la pluie. Maintenant, cette rivière qui débordait a emporté sur son lit tout ce qu'il y a. Vous dites que derrière vous, ici, il y avait une maison. Tout à fait. Ici, il y avait une maison habitée. Oui. Heureusement que les enfants ont pris fuite avant. Quand l'eau commençait à monter, les enfants sont partis. Et voilà ce qui est resté de la maison. De l'autre côté, il y a d'autres dégâts. Les maisons qui ont été démolies par l'ordre de la ville. Ici, il y avait une église, vous dites? Juste à côté. Ici, c'est une habitation. Il y avait une famille dans cette maison. Mais juste en face de nous, vous allez voir qu'il y avait une église. Il n'y a plus rien, c'est maintenant un terrain. Pourtant, il y a des enfants qui s'étaient réfugiés dans cette église. Mais Dieu aidant, des parents, voisins sont venus les récupérer et les évacuer. Sinon, ce serait une catastrophe. Voilà. Ici, il y avait toute une église, mais il n'y a plus rien. C'est parti. Que nous le disions, il y a eu des dégâts énormes. Et parmi les dégâts, nous avons cité donc la démolition des maisons que vous venez de voir. Et dans ces maisons, je précise qu'il y avait même des gens, il y avait des familles qui actuellement ne sont pas localisées. Heureusement, donc je disais qu'il y avait des familles dans ces maisons. À part ces dégâts-là, dans tous les marais du groupement de Garongo, il y a eu inondation. Donc, et tous les champs sont inondés. Je suis sûr que dans les jours à venir, certainement, nous allons traverser une période cruciale, une période de crise, parce que nos champs ont été dévastés par l'eau. C'est parmi aussi les problèmes humains. Ce qui est urgent, c'est de voir ces 53 familles recensées être soit relocalisées ou à bénéficier d'un appui afin qu'ils puissent puissent trouver quelque part où mettre leur famille. 53 familles et combien familles, de personnes environ? Nous avons compté autour de 300 familles. Plus de 300 personnes. Plus de 300 personnes. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous d'avertir nos autorités afin qu'une solution palliative soit trouvée. Ou bien donc, on relocalise ces populations parce que même si on pouvait encore reconstruire ici, on ne sait jamais, après des années, on peut assister encore une fois à de telles catastrophes. À notre niveau, nous sommes en train de sensibiliser cette population, étant donné l'expérience que nous avons, de respecter les normes en ce qui concerne la construction à côté des rivières. Donc, la loi parle de 10 mètres, je crois si je m'abuse, 10 mètres de rive, et nous devons sensibiliser la population à ça. Parce que dans les 10 mètres de rive, vous allez voir vous-même ici, ceux qui sont au-delà des 10 mètres n'ont pas eu assez de dégâts. Parce qu'ils ont respecté les normes en ce qui concerne les rives de la rivière. Mais actuellement, il y a des hommes de bonne foi qui ont récupéré quelques familles et leur donné là où passer la nuit. C'est le cas d'un certain honorable Mbalama qui a donné son enclos. Et les autres sont dans des familles d'accueil. Voilà un peu pourquoi ces familles n'ont rien jusqu'à présent, même à manger, parce que tout était parti par l'eau. Imaginez-vous, avec la situation actuelle, nos familles sont en difficulté. S'il y a des gens de bonne volonté, si notre gouvernement peut nous aider, pourquoi pas la chefferie de Ngwese, à aider tant soit peu cette population, cela va nous aider.
c'est ça un peu ce que nous pouvons recommander. Mais pour ce qui nous reste, c'est de continuer à sensibiliser cette population à respecter les rives de la rivière. Parce que ceci peut encore revenir demain. Mais voilà un peu ce que j'avais à dire à ce point. Nous profitons de cette occasion pour nous adresser à Sa Majesté le Moine Ngwéché. Avec toutes ses relations, je crois qu'il peut être notre interprète auprès des tierces, auprès du gouvernement, auprès d'autres partenaires, afin que cette population trouve une aide conséquente, parce que c'est lui notre père, c'est lui le père de toute cette population, se trouvant dans la chefferie de Ngwéché. Le groupement de Karongo se trouve dans la chefferie de Ngwéché, et le moine Ngwéché est notre père tous ici. En tout cas, nous lançons cet appel auprès de lui, afin qu'une aide soit trouvée pour cette population finie.